La saison 2006-2007, l'équipe du club a accédé pour la première fois en première division. Donc on a décidé d'honorer cet anniversaire, ça fait 10 ans. Vous pouvez les applaudir, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Allez, alors juste pour vous dire que la issue de la première saison s'est maintenue. Et c'est grâce à elle, c'est la meilleure. Bravo. Il est bon ce sentiment de la victoire, hein. Il est quand même meilleur que celui de la défaite, donc forcément c'est bon, c'est positif. Deux premiers sets top, après on rend le match difficile. C'est, voilà. On les remet dedans, donc on rend le match plus difficile à gagner. Mais on le gagne. Une belle équipe de Venelle. C'est toujours difficile de venir jouer ici, il y a un bon public et l'agressivité des filles était clairement différente. Enfin, l'agressivité est très clairement de leur côté. Ben, le haut niveau, c'est ça. Hein. Réussir à rester à un très haut niveau longtemps, c'est le mal de toutes les équipes. Après, il y a ceux qui arrivent plus ou moins bien. Et ben, nous, si on n'est pas à 100%, si on n'a pas un engagement irréprochable toutes en même temps, on n'y arrive pas. On a une grosse fin de saison, sachant qu'on a joué le Canet et Nantes sur les deux dernières semaines. En gros, il nous reste que les quatre du championnat, plus celui qui est juste derrière nous pour la qualif au play-off. Donc oui, ça va être chaud. Ouais, on sait qu'on a un calendrier très très chaud sur la fin. On a vu ce soir, moi j'étais pas très dedans à l'attaque, donc ils ont fait rentrer d'autres filles qui peuvent faire la différence. C'est ça un espoir collectif, c'est pouvoir compter sur tes 12 joueuses. C'est de là qu'il vient la force d'une équipe, de pouvoir compter sur les filles qui sont sur le banc, qui à chaque fois qu'ils rentrent apportent quelque chose, c'est ça une équipe. Ça peut nous aider contre Béziers, elles sont fortes, mais elles sont grandes, mais elles comptent sur des joueuses majeures. Peut-être qu'elles n'ont pas de banc. Voilà, on est dans la course pour la 8e place et c'est play-off. Il fallait qu'on gagne contre un moins bien classé que nous. Il fallait qu'on prenne 3 points aussi parce que ça faisait longtemps. Donc c'est positif pour ça. Et seulement maintenant, on peut se mettre à penser à la finale. Je leur souhaite toute la réussite. Voilà, apparemment en Coupe de France, elles sont dans un très beau parcours et il faut absolument qu'elles la gagnent. Ça serait très bien pour Venelle et pour le club et pour tous les bénévoles.